Le
diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme, en prenant à dire Satan bien Benoît. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère ne garde pas ton avenir, moi petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. André-toi, je le sais. Ta sauce le Rio, un sac à l'eau, bien tourné, bien beau. Bonsoir tout le monde. Staline Bobichon, bonsoir. Gisèle France, bonsoir. Rue de Sang, bonsoir. Gono Salomé, bonsoir. Pascal Yetna, bonsoir. Martin Lille, bonsoir. Dumas Cyril, bonsoir. César Miranda, bonsoir. Frédéric Ouchi, bonsoir. Bouya Alexandre, bonsoir. Kedi, bonsoir. Christophe, Grand Patana, bonsoir. Reine de Kiki, bonsoir. Allons, bas, bonsoir. Nelson Bouta, bonsoir. Sylvie Point, bonsoir. Ingrid Maïva, bonsoir. Sylvie Wenan, bonsoir. Kouzbadi, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Depuis que je fais le direct ici, il n'y a qu'un seul direct qu'on a partagé. Ça atteint 700. Le direct qu'on a fait vendredi matin, vendredi à 10h, c'est la première fois. Donc, faites le partage, parce qu'avec le partage, ça a les résultats. Les résultats qu'on cherche, c'est sensibiliser beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes comprennent que nous avons le même combat. Le combat qui est de libérer les populations de la République du Cameroun. Par l'investissement, par nous-mêmes, en réunissant nos forces, et ça passe par la sensibilisation. Parce que nous nous sommes rendus compte de la supercherie. Le matin, j'ai parlé des pères fondateurs. Des pères fondateurs qui ont validé tout ce que le colon a fait. Je vous parle d'un petit accord. Salut Marc. Je vous parle un peu de l'accord. De l'accord 1958-0072. Signé en 1959. En 1958.
la méthodologie. Parce qu'à l'époque, la méthodologie au Cameroun, il fait soleil, il y aura la pluie, il y a tout ça. C'était une coopération entre la France et le Cameroun, et ça, il fallait payer. Ça a été signé en 1958. Pour bien, n'était pas là. 1958, le Cameroun n'était pas indépendant. Vous connaissez. Donc, il y a plein de problèmes comme ça. Par exemple, toujours le 31 décembre 1958, on a signé un autre accord sur le transfert. Ils ont seulement écrit transfert. L'accord 1958-00 73, accord de transfert. Transfert de quoi? Point. Donc, c'est pour ça que il faut faire, donc, il faut qu'on continue avec la suite. Maintenant, on vous a lu les pères fondateurs de la République, les gens qui ont voté les premières lois, les gens qui se sont fait manipuler. Donc on va donc vous lire leur travail, les accords qu'ils ont signés avec la France, que il faut même que je compte ça avec vous. Il faut qu'on se comprenne bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 123 accords de coopération dans divers secteurs. C'est ça que Paul Biya passe 37 ans à modifier. Quand il modifie, il y a une petite bouffée d'oxygène pour l'État et la République. Quand il réussit à modifier un, il y a une petite bouffée d'oxygène. Pendant 37 ans, et vous avez des sorciers. Des sorciers qui viennent vous dire qu'il n'a rien fait. Jusqu'à ils ouvrent les chaînes de télévision. Qui éduque la population en disant qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. 123 accords de coopération. En passant, c'est ce qu'on a seulement pu avoir. C'est ce qu'on a pu avoir. Donc, vous imaginez qu'on peut encore voir encore d'autres là-bas qu'on ne connaît pas. 123 accords. Ils luttent. Ça arrive, ils modifient.
quand un arrive à échéance, il modifie. Mais entre-temps, les gens vous disent il n'a rien fait. Ok. Accord numéro 200-201-72 le 9 décembre 2002. Consolidation de la dette. Accord numéro 2-50-63-2000, séjour du détachement d'instruction opérationnelle C-130 sur la base aérienne de Garoua. Il a modifié. Accord numéro 2-50-49 du 25 avril 2000. Transfert frontalier des déchets dangereux. Accord numéro 2-50-12 du 10 mars 2000. Convention entre le ministère des Affaires étrangères de la République française et le ministère de la Défense du Cameroun relative à la création du pôle aéroportuaire de Garoua. Pôle aéronautique de Garoua. Accord numéro 1-999-132 du 28 octobre 1999 avenant à la convention fiscale du 24 octobre 1976. Il y a eu un avenant. Oh. Et les gens osent dire qu'il n'a pas travaillé. Accord numéro 1-99-80-245. Du 20 mars 1998, dette. Accord numéro 1-99-6-0-226. Du 10 juin 1996. Accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Cameroun sur la tarification des cartes de séjour et de résident au Cameroun pour les ressortissants français. Ça aussi, il a modifié. Accord numéro 1-99-60-172 du 7 juin 1996. Accord de réaménagement de la dette entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Papa. Et
Encore numéro 1994-03-07 du 10 septembre 1994. Accord de réaménagement. Accord de... Accord de réaménagement de la dette entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Accord numéro 199-400-59 du 31 mars 1994, advenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976. Accord numéro 199-4009 du 24 janvier 1994. Circulation et séjour de personnes. Accord numéro 199-30146 du 30 août 1993. Cinéma. Et c'est à cette époque-là que toutes les salles de cinéma ont fermé au Cameroun. Dès qu'on a modifié l'accord, les accords à Bia, fermé, Koumassiko, fermé, Douala, cinéma de Vouri, fermé, Concorde, fermé. Accord numéro 199-200-70 du 30 mars 1992, accord de consolidation de la dette entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Accord numéro 199-1009 du 27 mai 1991. Suppression réciproque de l'obligation du visa de sortie et de retour. Accord numéro 199-00366 du 5 novembre 1990. Arrangement administratif général relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Paul Biya ne travaille pas. Il n'a rien foutu. Accord numéro 199-00365 du 5 novembre 1990. Sécurité sociale des étudiants. Accord numéro 199-00362 du 5 novembre 1990. Sécurité sociale. Accord numéro 1990-359 du 20 novembre 1990. Coopération, décentralisation. Accord numéro 1990173 du 30 septembre 1990. Advenant à l'accord de consolidation de la dette entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Doc Ziggy va dormir, c'est pas ta place ici. Toi, tu as dit que Paul Biya n'a rien fait. Moi, je suis en train de démontrer ce qu'il a fait. Je suis désolé. En 37 ans, il n'a rien fait. Moi, j'ai 100 accords de coopération, 123 accords de coopération dans divers secteurs pour le pays que tes parents ont signé en 1958. On nous a attaché les pieds et les mains comme ça. Tu connais ce mandi? Oh, nous les Bamileke. Tu ne peux pas dire ce que le président Biya fait. Pardon, supporte que je lise. Ton cœur
On vous appelle, il vous. Accord numéro 19890410. Accord sous forme d'échange de lettres entre le ministère de l'économie, des finances et du budget de la République française et le ministère des finances de la République du Cameroun. Au réchauffement des paiements dus à la France par la République du Cameroun au titre de la dette. Accord numéro 1989-0225 du 28 juillet 1989. Accord de consolidation de dette entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Paul Biya n'a rien fait. Pour un sorcier pareil, Paul Biya n'a rien fait. Est-ce qu'il connaît même d'abord ça? Non, on lui a seulement dit au village que Paul Biya, c'est Paul Biya qui nous gêne pour qu'on vole. Il vient aussi perronner ici. Paul Biya n'a rien fait. Accord numéro 1908. Accord numéro 1987-0415 du 24 novembre 1987. Commission mixte franco-camerounaise de coopération. Accord numéro 1985-0315 du 15 mai 1985. Échange de notes portant approbation de l'aménagement de coopération signé le 7 mai 1985 entre le ministère des Postes et Télécommunications de la République du Cameroun et le ministre délégué auprès du ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des postes et télécommunications de la République française. Accord numéro 1985-0212 du 9 décembre 1985. Accord domanial. Même sur le terrain, il y avait les accords. Accord numéro 1985-0003 du 7 mai 1985. Poste et télécommunications. Accord numéro 1983-0232 du 22 décembre 1983. Convoyage. Écoutez, hein? Convoyage des avions Alpha Jet camerounais de France au Cameroun. Conditions d'instruction sur Alpha Jet. Donc, quand le Cameroun avait acheté les avions Alpha Jet, donc il a fallu ramener les avions Alpha Jet de la France pour le Cameroun. Donc, ce transport-là, la coopération, tout ça, il faut un accord sur ça. Maman, le feu sort seulement. Allez donc voir les modalités, mon frère. Oh, Cameroun, oh Baloko. Accord numéro 1983-0231 du 22 décembre 1983. Les personnels de forces aériennes camerounaises dans l'armée de l'air française. Accord numéro 1983-0230 du 22 août 1983. Essais et entraînement du patrouilleur Bakassi. Le
patron Bakassi, qui était, vous rappelez celui qui était tombé là. Il y a un patrouille qui était tombé là, un bateau qui avait coulé là au large de Manaoubi. J'étais en train de patrouiller, vous vous rappelez, il y a eu deux survivants. C'est ce bateau-là. Accord numéro 1982012 du 2 juin 1982. Fournisseur du système d'armes Exocet MM40. Accord numéro 1982-00-3-4-3 24 novembre 1981. Armement. On ne détaille pas les armes ici. On ne peut pas tout lire ça. Là-bas c'est très défense. On ne lit pas tout. Accord numéro 1982-33-23 du 23-12-1981. Système d'armes, je ne lis pas. Là-bas, c'est défense. Tout ce qui est défense, je ne lis pas. Accord numéro 1980011 du 31 janvier 1980. Coopération en matière de marine marchande. Accord numéro 1978-01-80 du 21 août 1978. Accord sous forme d'échange de lettres relatives à la contribution du Cameroun au aux dépenses du personnel de l'assistance de charge assistant technique français. Accord numéro 1977-00-62 du 27 janvier 1977. Volontaire du progrès. Accord numéro 1976-00-135 du 21-10-1976. Convention fiscale. Accord numéro du 26 janvier 1976, circulation des personnes. Accord numéro du 21 février 1974, défense. Accord numéro du 21 février 1974, échange de lettres relatives à l'application de l'article 15 de l'accord général de coopération technique en matière de personnes, de personnel. Entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun. Accord numéro du 21 février 1974. Date d'expiration. Date d'expiration des traités dénoncés. Accord numéro du 21 février 1974. Transport aérien, Cameroun Airlines. Accord numéro du 21 février 1974, relation trésor français et trésor du Cameroun, trésor camerounais.
Accord numéro du 21 février 1974, coopération économique et financière. Accord numéro du 21 février 1974, coopération technique en matière de personnel. 21 février 1974, coopération culturelle. 21 février 1974, convention consulaire. 21 février 1974, coopération en matière de justice. 21 février 1974, section logistique. 21 février 1974, coopération militaire. 21 février 1974, programme de fonds d'aide et de coopération. 21 février 1974, grande commission. 21 février 24 janvier 1973, protocole d'accord relatif à l'octroi d'une aide alimentaire par la République française à la République du Cameroun. On ne lit pas tout. Je m'arrête là aujourd'hui. Voilà donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas un petit endroit où tu mets ton pas, il n'y a pas une coopération. Jamais, ça n'existe pas. C'est ça que ce vieux passe 37 ans. Il modifie. Quand il modifie, les endocolons font tout pour saboter. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il n'y a pas un secteur là. Tous les secteurs de la vie d'un pays, il y a une coopération. Il y a un accord. Ça n'existe pas. C'est ça que ce monsieur, ça arrive à échéance, il modifie. Ça arrive à échéance, il modifie. En décembre, le 26 décembre, c'est le franc CFA. C'est pour ça qu'on a donc accéléré le MRC. On a porté le MRC à bout des bras. Fait tout pour faire tomber le président Biya. La vérité. 123 accords de coopération dans tous les secteurs de la vie d'une nation. Tu veux faire ici, non, on ne touche pas à la France, il y a un accord avec la France là-bas. Tu veux toucher cela, non, on ne touche pas, il y a un accord là-bas avec la France. Tu veux aller ici, non, on ne touche pas, il y a un accord. C'est comme ça. Le gars a passé 37 ans. Pour l'empêcher de modifier, on dévalue d'abord le franc CFA. Tu crois que quoi? On le casse. C'est ça la vérité. Là, on va un peu parler de l'économie. Les mêmes gens. Ils ont créé la République. Aller aux indépendances. Après, juste la guerre des indépendances en 1970. Quand ils ont assassiné le dernier résistant, Wang Jianes, la France a donc décidé de lancer le programme de construction de grandes entreprises. Le gouvernement de la République du Cameroun décide de mettre ce plan sur pied. Le plan directeur d'industrialisation du Cameroun. C'est contre ce plan que ces gens bagarrent pour que ça n'aboutisse pas.
sont pris à plier, s'assoient sur ça. Ils luttent contre ça. Tu seras obligé de tout lire, indirect. C'est contre ça que ces gens luttent. Il ne faut pas que ça prenne corps, parce que si ça prend ça, si ça s'installe, on est mort. On est là, nous sommes là pour restituer les faits, rien que les faits, pour pas qu'on se fasse contre nous. Je vais vous faire un direct aussi. Je vais vous lire comment on a constitué l'Union nationale camerounaise. Comment les gens ont créé des alliances pour arriver à ce parti politique. Kamado Ayidjo a été à la tête, qu'on appelait l'UNC. L'Union nationale camerounaise. Je vais vous dire comment. Je vais faire un direct pour vous expliquer comment ils ont fait pour arriver à l'Union nationale camerounaise. Qui est devenu RDPC. Parce que nous nous sommes rendus compte que il n'y a que le mensonge partout. Comme il n'y a que le mensonge partout. La régie FECAM, je commence par là. La régie FECAM, c'est le fleuron. À sa naissance, on crée cette entreprise avec un certain matériel. La régie FECAM avait les locomotives. Là-bas, les locomotives sont catégorisées de il y a les BB, c'est-à-dire les Bombardiers et les CC. Il y avait 6 bébés. CBB 200 construction Alstom, force 610 chevaux, charge 300 tonnes. Il y avait 15 bébés 300 construction toujours Alstom, force 700 chevaux, charge 500 tonnes. Il y avait 2 BB 500 construction Alstom, force 900 chevaux, charge 700 tonnes. Il y avait un CC 100 construction Will Colomb, force 675 chevaux, charge 500 tonnes. Il y avait 5 CC 2400 Alstom à la charge de 1000 tonnes. Voilà ce qu'il y avait à la, à la,
Régis Fréquem à sa création. Après, les gens se sont dit, il faut même qu'on se partage la fessière. Eh bien, ils se sont partagés. 1990, ils se sont partagés. Les Français ont pris une partie, les Camerounais ont pris une partie. Les Camerounais ont pris. On a créé au départ. Il faut que vous écoutez bien l'escroquerie. Quand on crée cette entreprise, c'est avec notre argent. Après, on vous dit, il faut privatiser. C'est notre argent qui a créé. Pour privatiser, on dit, il faut vendre la France symbolique. Vraiment de Dieu, il faut que vous vous renseignez sur ce qu'on appelle France symbolique. La dame qui était directrice générale de la SNI refuse. Elle s'appelait Dan Esther. Elle refuse. Elle dit pour rien au monde. Bêta, on l'enlève. Elle dit nié. On voulait acheter ça à France symbolique. On lui pose la question, donc tu veux donc qu'on vende ça combien? Elle dit qu'il faut vendre ça au moins à 7 milliards. Il faut que. Elle doit écrire à la présidente de la République. Les gens qui sont au secrétariat général vont recevoir le courrier. On s'assoit sur ça. On commence à dire que c'est elle qui bloque la privatisation de la régie Fréquem au président. Je vous explique le système. On dit non, vraiment, il faut diminuer le prix, c'est trop, elle descend à 2 milliards. On dit non, c'est toujours beaucoup. Elle descend à 1 milliard. On dit c'est toujours beaucoup. Elle descend à 900 millions. Et du coup, on a acheté finalement à 800 millions. Régis Fréquem. Donc, nous, on a créé une entreprise avec notre argent. Quand on privatise, on perd l'argent. La cerise sur le gâteau. Parce qu'on entend Pendey Coca. Il s'assoit comme ça, il croise le pied à la télévision, Equinox. Il parle, il tape le pied comme ça. Il parle en tant qu'un grand... Un voleur. Quand je vois, il croit le pied, il parle économie. Comment il connaît l'économie? Il connaît machin. Il dit que, vraiment, un voleur. Bolloré, on a privatisé. Bolloré a pris 77%. 77,4% d'action. Nous sommes là sur le terrain de l'économie. Ils vous disent que l'économie du Cameroun ne marche pas, non? Moi, je vous dis pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que certaines personnes se sont accaparées les choses de l'État. C'est ça qui est question. Bolloré a pris 74,4% d'action sur les 100%. 77,4%. L'État du Cameroun est resté avec 13,5% d'action. Donc l'État a cédé à Bolloré 77,4% d'action. L'État est resté avec 13,5% d'action. Total Cameroun à 5,3%
d'action dans la régie FECAM. Alors, vous avez un petit groupe là. C'est un petit groupe qui a des Camerounais qui sont pleins là-dedans. Ce petit groupe s'appelle la SEBC. Tannerie, ils sont à 3,8%. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent s'asseoir à la télévision. Ils se vantent le week-end. Ils vont à Kribi, ils fument le cigare. Ils mangent le poisson parce que c'est qu'en fin d'année, on va les virer un chèque dans son compte d'au moins 200 millions. La vie est belle. Maintenant, après, il vous a créé un parti politique qu'on appelle Agir, où il est militant, lui et sa femme et son frère, ils croisent le pied. C'est ça la République! C'est les mêmes qui viennent vous dire que Paul Biya. Donc, il m'a dit, non, comment nous là, nous on connaît ça là. Moi là, je m'en vais à l'île de Répinda, quoi. Je m'en vais à l'île de Répinda. Tu coupes ma tête. Tu coupes ma tête, je ne peux pas aller m'aligner derrière. Peut-être quoi. Sa maison est là à Douala. Quand tu descends à Kouano. Dès que tu dépasses la pharmacie dans Kouano là. Dès que tu descends à la petite pente là. À droite. Non, à gauche. La maison en briques là. En briques de terre cuite là. Vous savez, on a fait venir les briques là de la France. Dans les conteneurs. La maison là. On a fait venir les briques de la France. Comme sur sa maison. C'est ça la vérité. C'est arrivé au port. On était dans le camion. Les camions de Bolloré, les camions Amar, les camions auto, les camions qui portent les conteneurs seuls là. Ils déposent les pattes au sol, ils se lèvent le conteneur, ils mettent sur son ventre, ils partent, ils déposent chez Pendé Coca. C'était comme ça. Les amis. On vient nous parler, on vient nous dire Paul Biya a gâté le pays, Paul Biya a gâté le pays. Mais on est avec Paul Biya. On est avec Paul Biya, on est avec le vieux là. Des bandes de voleurs viennent nous dire des choses alors que c'est eux qui ont détruit le pays en bande organisée. Je vais me parler de Paul Biya. Donc, laissez-nous avec Paul Biya. On connaît ce qu'il fait pour le Cameroun. On sait. Ça avec notre vieux. Alors, après avoir donc créé la régie FECAM, et ils ont privatisé quelques années après, en 1964, ils nous ont créé une petite entreprise qu'on appelle la SNI, Société Nationale d'Investissement, 1964, avec son siège social à la rue Manié-Wundo. On dit à quelqu'un que la route là, on appelle ça Manié-Wundo. Il va dire que Manié-Wundo, c'est où là?
À tout que tu montes là, on appelle ça Mani Ewondo. Ça a un nom, hein. Alors, quand il crée donc cette entreprise, la SNI, quand il décide donc de se lancer dans, dans la construction des grandes entreprises, à la création de son capital était de 250 millions. Quand ça devient donc une entreprise qui a été dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, son capital est passé de 250 millions à 7 milliards. Oh, papa. Les gens, manger de ça que tu veux voir. Oh. Ils ont fait sur les 7 milliards là. Ils se sont partagés ça. Ils accusent Paul Biya. Je vous lis là le début des détournements dans la République du Cameroun. Nous, on va vous dire des choses. Ils ne vous disent jamais ça. Le début de vol. Les DG qui se sont succédés là-bas. DG actuel. Yao Aïssatou. Dan Esther. Simon Gagnon. Amadou Bello. Laurent Ntamak. Leonard Claude Mpouma. Jean-Faustin Betaemé. Donc voilà les DG. Il y avait 1, 2, 3, 4. Comme c'était à l'époque, PDG. Tabac, Jean-Faustin Betaemé était président directeur général. Leonard Claude Mpouma était président directeur général. Laurent Ntamak était président directeur général. Amadou Bello, président directeur général. C'est Paul Biya qui vient en 1980, de 85 à 90, il enlève le PDG, il met directeur général. Parce qu'il savait ce qui se passait. Gouvrassou. Tous ces gens-ci sont là au Cameroun. Les familles, de comme sont morts, sont là. Ils sont assis dans les coins comme ça, ils regardent. Il y a un de leurs cadres qui est sorti dernièrement avec une vidéo quand la Sonara a brûlé. Il nous a dit que le président a refusé de signer l'assistance technique de la Sonara. Donc c'est pour ça que ça a brûlé. Ne soyez pas surpris que demain aussi à Luc en prenne feu, parce que là-bas aussi, là, il n'a pas renouvelé l'assistance technique. Voilà des gens qui sont devenus indépendants en 1960. 35 ans plus tard, ils disent que le président, mais pour être indépendant, pour être le cadre des directeurs d'entreprise, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais pour reconnaître nous, notre valeur des techniciens de haut vol, on lui dit non, vous là, vous ne pouvez pas. Il faut l'assistance technique. Est-ce que vous comprenez? Pour devenir président, c'est bon. Ministre, c'est bon. DG, c'est bon. Tout autre chose, c'est bon. Mais pour laisser les Camerounais, les techniciens comme nous, pour démontrer de quoi ils sont capables, on dit non. Vous là, on ne vous fait pas confiance. Il faut qu'on va chercher le Watt. Ils ont appelé ça assistance technique. Un autre gouffre à sous. Je vais vous lire les DGA. Hmm.
même pas important. Parce qu'il faut qu'on vous dise comment les Camerounais ont détruit le pays. Ils détruisent, ils cherchent à accuser le vieux. Merde, c'est ce que sorcellerie ça, non? C'est que sorcellerie ça. Les gars détruisent leur pays, ils cherchent à accuser le vieux. Ah, vraiment, c'est le vieux. Vous savez, hein? Vraiment, c'est le vieux. Non, papa, le vieux n'a rien fait. Le vieux a fait ce qu'il pouvait pour sauver le pays. Les gens ont décidé que ça ne doit pas marcher. Les gens ont décidé qu'il faut que le pays tombe. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les gens ont ouvert ce qu'on appelle la guillotine. Ils détruisent leur pays. Je vais un peu vous lire les entreprises qu'ils ont décidé de privatiser. La première vague qu'ils ont privatisée. C'est ça, hein? Les gars sont d'abord acharnés sur 24 entreprises. C'est-à-dire, il fallait d'abord les privatiser. Ils ont d'abord ciblé 24. Il faut que vous écoutez les 24. La première entreprise qui sont tombées dedans, la BICIC. 99, privatisé. Les Français ont pris Banque Populaire, 71%. Maintenant, vous savez comment ils sont malins, non, les Camerounais. Ils sont malins. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on privatise la BC, la France prend 71%. Quand même. Il y a quand même encore 29% qui sont restants. Ils ne détaillent pas. Ils ne disent pas que les 29% qui sont restés là, tel a pris. Non. Parce qu'ils veulent nous tromper. Quand ils ont fini avec la BICIC en 99, avant, ils se sont acharnés sur la CAMSIP en 1997. C'est un groupe privé qui a récupéré la CAMSIP. Un groupe privé. Ils ont fait ce qu'on appelle l'Oran-Ran. Le groupe privé est constitué des Français et des Allemands. Mais curieusement, oui, le capital de la CAMSIP était des Français et des Allemands lors de l'État du Cameroun. Mais lors de la privatisation, c'est les Camerounais qui ont récupéré. Avec pour tête de file celui qui était là-bas, directeur général, il est toujours là, directeur général de CAMSIP. Il porte maintenant le pétrole. Ils ont un bateau là qui fait la ligne Limbi-Douala avec le pétrole. Limbi-Douala pour alimenter les cuivres de la SCDP et de Mobil qui sont là au rond-point. Voilà son travail. 97, CAMSIP parti. 98, Kamsiko, parti. Celui qui a racheté la Kamsiko, c'est le groupe Somdia,
Le groupe Sonja, c'est une multinationale qui fait dans l'exploitation sucrière. Gabon, aux Antilles, partout là, c'est le groupe Sonja. Sauf que le groupe Sonja a racheté la Camsuco à 75%. Les 25% restants là, c'est le qui? That is the question. C'est pour ça que nous on dit ils se sont partagés les entreprises de la République. C'est pour ça que Paul Biya les avait appelés apprentis sorciers. 75%, donc il y a encore 25%. C'est les qui sont à l'intérieur. On ne peut pas appeler leur nom ici. Si j'appelle leur nom, les enfants vont dire que vraiment de Dieu Abdel. Oh, que tu as cité le nom de mon père. Vraiment, vraiment, vraiment. Ils se sont acharnés en 2000. Chez Camtel Mobile, ils se sont acharnés sur ça. On a privatisé Camtel Mobile. MTM a acheté. Groupe sud-africain, 100%. En 1998, le 14 septembre, ils se sont versés dans l'entreprise de l'État qu'on appelait le CPR. C'est le CPR qui fabriquait les cahiers, les livres, tout consort. Tout ce qu'on utilisait comme dans l'éducation, c'est le CPR qui fabriquait. Les cahiers, les livres, tout ça, c'était le CPR. Ils se partageaient le marché avec la SAFCA. Dès qu'on a privatisé, il y avait, on appelait ça quoi? Il y avait une mutuelle des enseignants. On appelait cette mutuelle d'enseignants la MUPET. La MUPET avait à sa tête un monsieur Bassard avec le ministre Etoundi, l'ancien proviseur du lycée général Leclerc. C'était eux qui étaient membres de la MUPET. Ils ont racheté la CPR. Tous les enseignants de la République du Cameroun ont constitué une mutuelle qu'ils ont appelée la MUPET. Ils ont racheté la CPR. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand ils ont racheté la CPR, on a retiré tout ce que la CPR faisait comme activité. Éditeur des livres, tout ça, les hâtiers, il y avait Atier, il y avait Champion, tout ça, on l'a retiré, tout ça là, à CPR. On a donné ça à certains Camerounais. Donc, en fait, on a dépouillé la CPR. Comme on dit, on a démantelé, on a désossé. Quand les enseignants ont racheté, c'était une coquille vide. Vous comprenez? Et ces Camerounais sont là, ils se vantent à Douala. Que je suis éditeur. Je suis représentant, c'est moi le représentant de Haché, c'est moi le représentant de Champion, c'est moi le représentant de Cosmos, c'est moi le représentant de. Ils ont piqué, quand on parle du pillage de la République, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils se sont lancés. Ce sont acharnés, Chococam. 1995. Un groupe sud-africain dénommé Tiger Brand a racheté 74,41%. Si ça rachète 74,41%, il y a encore quelque chose de restant, non? Non, on ne dit pas les qui sont actionnaires. Les amis, on a creusé. Je connais tous les actionnaires des entreprises privatisées au Cameroun. Les noms. On connaît. Celui-là, il est actionnaire là-bas. Celui-là. Donc quand nous, on voit Camto, on voit les gens le suivre alors qu'il est actionnaire dans les entreprises de l'État qu'ils ont privatisé, qu'ils ont volé. Il vient nous dire qu'il va être président. Nalumi. En 1995, ils se sont acharnés sur Simentam.
le groupe Lafarge est venu prendre 55,5%. Si le groupe Lafarge a pris 55%, il y a encore 45%. Après, le 19 décembre, ils se sont rappelés que, il faut qu'on aille faire un tour en bas de maillot. Ils sont descendus en bas de maillot. Ils sont tombés là, à la COCAM. Ils ont pillé la COCAM. Ils ont donné ça à un groupe là, qu'on appelle Kouri. C'était les Marocains. Ils ont pillé les Indo-Pakistanais. Ils ont pris 87,6%. C'était un groupe indo-pakistanais qui avait pris ça, l'usine COCAM. On dit, attends, on a connu la COCAM, là en bio. Quand ils ont fini là-bas, ils sont descendus à Kribi. Ils sont entrés en forêt, ils sont entrés à Niété. Ils ont récupéré Evekam. En 1996, le 9 décembre, ils sont entrés à Niété. En 1996, ils ont privatisé le groupe GMG, le groupe GM, qui est aux États-Unis là, le véhicule GM là, General Motors là, sa filiale, a racheté les 90% des actions. Il y a encore 10%. Donc, on a ceux qui sont dedans. Donc, un groupe américain a racheté Evekam. Après, quand ils ont fini là-bas, ils se sont rappelés que le 18 octobre 2002, ils sont descendus à Limbé. Ils se sont installés à la CDC, la filière T. Ils ont dit à la CDC qu'on doit te privatiser. Les anglophones ont dit Ngan. Ils ont dit à l'anglophone que non, vraiment de Dieu. Le président a dit que les anglophones ont dit que n'y bon. Ils ont dit aux anglophones, donnez-leur quelque chose. Les anglophones ont dit que la seule chose qu'on peut vous donner, la filière T. Ils ont donné la filière T à un groupe. Brock Bond Fitness Limited qui a racheté 60% des actions. Ils ont donné à un Camerounais de gérer. Ce Camerounais s'appelle Nana Dambulo. Il faut comprendre le système. Hein. C'est pour ça que je vous dis que tous ces gens-là, on les tient à la gorge ici. Là. On va te dire que tu es milliardaire, mais mon frère, tu es un milliardaire avec le fusil ici. C'est ça que nous on rit. Le 15 février 1992, ils disent que, il faut qu'on aille en Banga. Il y a OCB qui est en Banga là-bas, dans le Mungo là-bas. La compagnie fruitière, la compagnie fruitière de Marseille a racheté les bêtises. 60%. Avec les ONC, avec les PHP, tous ces gens qui ont torturé pour le Riking là. C'est eux. Ils se sont rappelés le 13 février 1995 qu'il y a encore l'Office national de développement des ananas de l'aménagement des produits de quoi là, ce qu'on appelait l'ONADAF. Ils sont allés, ils ont privatisé les bêtises. Bon, après là-bas, ils ont dit que, il faut qu'on donne ça à notre ami là. Ils ont donné ça au groupe Fadil. Avec un groupe français privé. Daniel York, Mouyouka.
34%. Le groupe français. Il nous reste 16 les Camerounais. En 1999, ils se sont rappelés que même maintenant, vous finissez avec la régie Fécam. Minko a tout fait. Minko a tout fait. Ils ont dit, Teke. Ils ont vendu la régie Fécam à deux personnes, Bolloré et Komaza. En fait, c'est Bolloré qui était en même temps représentant. C'est Bolloré qui est parti appeler son ami en Afrique du Sud du nom de Komaza. Comme Komaza, lui, il avait de l'espérance sur le rail, Bolloré s'appuyait pour dire que non, c'est mon partenaire, je suis avec, on connaissait la mafia. C'est comme ça qu'ils nous ont dépouillés, mes chers amis. Et ces mêmes gens viennent nous dire que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. On voit les Kamto gesticuler, on nous dit que oh, Kamto président, alors qu'il est actionnaire dans les entreprises de l'État du Cameroun qu'on a privatisé. Hé, hey, mon frère, Paul Biya est actionnaire quelque part. Non, oh, mon frère, jamais ce monsieur ne deviendrait président de la République du Cameroun. Je dis bien jamais. Mais je dis qu'il ne... Jamais. Il est actionnaire dans les entreprises d'État qu'ils ont pillées. Et puis il vient nous dire que vraiment de Dieu, le pays là, ce n'est pas bon, je dois être président. Moi, qui connais la vérité, je le soutiens. Mon frère, pardon. N'en parlons plus alors. La Sonel. La Soka. Anti. La SNEC. La SDP. Ils ont tout fait. Ils font tout pour privatiser la SDP. Maman, vous n'allez pas privatiser. Parce que là-bas, c'est stratégique. On ne peut pas vous laisser l'autre là. On ne peut pas. On ne peut pas y. Le président de la République. Chez nous, là, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas te laisser. Il ne deviendra jamais président de la République du Cameroun. À jamais. Il est actionnaire dans les entreprises de l'État du Cameroun qu'on a privatisé. Et il vient nous dire qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle pour devenir président. Donc, il nous vole et il veut devenir président. Nalumi. Pardon. Qui rentre, il va être président à Abraham. Il sera président à Abraham. Grand frère, envoie l'invitation, tu as un mot, si tu veux placer un mot. Envoie l'invitation, je m'arrête là. Je ne finis pas les autres thèmes. Beaucoup de travail. Grand frère, envoie l'invitation. Il n'y a pas la caméra sur toi. Il n'y a pas la caméra sur toi, donc déconnecte-toi, tu te reconnectes. Comme vient de me dire que demain, je vais ajouter le thème de l'Union Camerounaise, l'Union Nationale Camerounaise. Parler de ça. Sont pas contents quand ils parlent comme ça, ils peuvent mourir. Pardon, partagez le direct. Oh, quand tu prononces Kamto, moi, mais il partage d'abord. Quand tu prononces Kamto, il commence à mettre les têtes de mort. Papa, on va prononcer Kamto. C'est un voleur. Un voleur. Nalumi.
Un grand frère. Ouais. L'enfant est samouline, hein? Grand frère, ça me fait que mouliner, ça dure comment comme ça aujourd'hui? Ça m'est long là. Déconnecte-toi encore, tu te reconnectes. J'ai arrêté, déconnecte-toi encore, tu te reconnectes.
ramollit encore. Tu n'es pas à connecté. Tu n'es pas connecté. Voilà comment les gens ont détruit le Cameroun. Je vous jure. Si je vous donne les noms des actionnaires de toutes ces entreprises qu'on a privatisées, vous allez avoir pitié. La caméra est là. J'ai envoyé sa mouline. Bonjour tout le monde. C'est quand même passé? Oui, c'est bon. Ouais, c'est un miracle, hein, parce que c'est un peu ahurissant. Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Ceux qui étaient avec nous depuis assez longtemps étaient là quand on avait un peu fait cette émission-là sur la SNI et les sociétés d'État et les compétences. On leur rafraîchit juste la mémoire, ceux qui sont là depuis assez longtemps. Il fallait juste apporter quelques précisions, c'est que il y avait, comme tu as dit en effet, ce qu'on appelait un PDG, pour que les gens comprennent bien la différence entre le PDG et le DG. L'époque des PDG, c'était l'époque où il n'y avait pas encore de président de conseil d'administration dans ces sociétés-là. Donc le directeur général joue aussi le rôle de président de conseil d'administration. C'est donc pour ça qu'on parlait de PDG. C'est important. Ça veut dire que le directeur général... Avant, comme tu l'as bien dit, avant qu'on mette fin au PDG, concentrer quand même tous les pouvoirs de direction et les pouvoirs de président du conseil d'administration, quoi. Et ça leur donnait des latitudes de pouvoir inimaginables. C'est très, très important de préciser ça à la SNI. C'est important de préciser qu'à la SNI, je l'avais déjà expliqué comment, et ça, c'est la phase la plus importante. C'est le rôle en réalité que cette société jouait comme société écran. C'est important. C'est par la SNI que notre État est surendetté. Pour vous dire à peu près, cette seule société d'État va créer dans le secteur primaire, ce qu'on va appeler le secteur primaire, la Cellucam et Cam Placage, la Maïscam, la Safacam, la Sol de Coton, la Sosucam, la Société de développement et d'exploitation des productions animales, la Société des plantations de Mbanga. Il faut d'abord rappeler, parce que tu parlais de chemin de fer, que le chemin de fer comportait, bon, enfin, là, je ne vais pas aller trop loin dans l'analyse, parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'axe nord du chemin de fer qui allait de Douala vers... de Mbanga vers Douala. Et il y a eu l'axe sud qui était de Mbalmayo, qu'on a continué d'ailleurs vers Yaoundé après, vers Douala. Et un autre truc là vers Alukam et tout ça. Un autre truc qui partait de Mbanga à Kumba, de Kumba en Konsamba, de Mbanga en Konsamba.
Exactement, ça, c'est exactement comme ça que ça se dessinait. Et vous voyez très bien que vers l'ouest, on appelait ça l'axe du café. Ouais. C'est-à-dire que l'ouest était pourvoyeuse en café. Donc, c'est très important de préciser ça. Donc, à ce moment-là, allez, celui qui était président directeur général, enfin, avant, celui qui était président, ce que tu as cité, c'est-à-dire Amadou Bello, Laurent Tamak, Claude Mpouma et Jean-Faustin Bétaïne, et eux, ils étaient des présidents directeurs généraux. Alors que on va commencer à avoir des directeurs généraux à partir de Simon Gagnon, et puis Esther Dan, qui a d'ailleurs voulu se relancer très dernièrement à l'élection présidentielle. Elle m'a croisé dans un débat houleux dans LCCLC. Elle a passé quelques mauvais instants avec moi. Elle se souvient bien de moi, Madame Dan. On est parti, l'acteur de le coup faisait dit que laisse-nous tranquille. Tu commences à Voilà. vouloir être président Pour à ceux. l'élection présidentielle, là tu viens nous gêner, nous les mamans dans l'administration. Voilà. Elle a levé les mains Elle a même d'ailleurs. pour là-haut. Pour les quelques crétins qui s'amusent à penser que je suis nouveau dans les réseaux sociaux. Vous avez entendu Nathalie Yamb, la Camerounaise ivoirienne. Ouais. Elle me rencontre dans le cercle de l'économie et je lui parle du franc CFA. C'est elle que vous avez vue en Russie. Sa vidéo a circulé, elle a demandé lui si on a discuté dans le cercle de l'économie. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore des directs vidéo, on faisait des discussions, des groupes hautement intellectualisés. Donc quand j'entends quelqu'un qui va dire qu'il m'a donné la visibilité, mais enfin, allez demander à Melon, Mathias Ounanguine, à discuter avec moi, il n'y avait même pas encore les directs Facebook, allez demander à Mathias Ounanguine, on a discuté, allez demander à Tatinda Bertrand. Franchement, il y a quelque chose qui est arrivé dans les directs où n'importe qui peut dire qu'il a donné la visibilité à quelqu'un comme moi, mais enfin, de quoi on parle? Il y a eu des blogs où on discutait entre intellectuels camerounais et on se connaît. On se connaît. J'ai discuté avec Esther Dan dans le cercle de l'économie quand elle voulait revenir se présenter à la présidentielle. Je passe là. Parce qu'on entend tellement d'insanité. Tu sais, parfois, je comprends les gens qui, de temps en temps, se mettent sur Facebook et commencent à dérouler leur CV. Parce que tu entends tellement d'insanité. Quelqu'un qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, il va te dire des choses. Il ne prend pas la peine. Il pense qu'il te connaît parce qu'il t'a vu dans un direct. Un direct, c'est tout. Il pense que c'est là où tu as commencé à réfléchir, quoi. Je crois qu'il vaut mieux en rire. Je suis en Mondovision, j'ai travaillé dans 15 sociétés belges et toujours cadre. Dont Fortis. Dont Worldcom. Dont Skynam, où j'étais directeur technique. J'encadrais des équipes. Quand un anonyme va me dire à moi, je n'ai cité que quelques-unes, il va me parler de la gestion d'hommes ou d'équipe. Il me connaît où? Il me connaît où? Mais enfin, arrêtez-vous. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Hein. Le Camerounais, je vous ai toujours dit, est fratricide. Comment on voit que nous menons quelque chose, que nous montons quelque chose qui marche, les gens viennent en dessous, ils viennent taper. Ils viennent taper en dessous, ils viennent taper en dessous, mais arrêtez! On ne fait rien de mal. En tout cas, nous, on a quand même la confiance et ça fait plaisir la majorité des personnes qui sont là. Et parce que encore aujourd'hui, j'ai eu deux contacts, c'est comme ça tous les jours, qui t'appellent pour dire que ces personnes-là sont d'accord, ils sont vraiment, les gens sont émerveillés par ce que nous faisons, par l'ouverture, on ouvre les yeux aux gens. Bah, je vais continuer après cette petite digression sur des considérations méprisables. Je dis, en plus, il passe par des petits chemins. Il passe par des chemins. Il vient me dire en face si tu peux. Donc, on parlait donc de la SNI. On a eu, tu te souviens ici, de très très beaux débats sur ces projets de la SNI. On a cité certaines entre elles et j'ai démontré comment la SNI a joué le rôle de société écran
On reviendra dessus pour ceux qui ne comprennent pas. Et là, je suis en train de conclure l'émission, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ceux qui ne comprennent pas pourraient, je pourrais leur expliquer comment la SNI a été une société écran, donc qui avait pour rôle de surendetter le Cameroun. Si tu n'es pas si tu as toujours affaire avec la Web TV, demain on peut mettre ça au sujet. Où tu expliques que Mais la web. Ouais, mais je t'ai dit que je devais aller chercher des RAM pour augmenter les RAM du deuxième serveur et j'ai pas pu aujourd'hui parce que j'ai eu des coups de téléphone des gens qui voulaient adhérer au système. Et moi, je n'ai que des réponses positives. Hein. Personne ne m'a jamais appelé. Personne ne m'a jamais appelé pour me faire une remarque négative. Les gens sont épatés. Je pourrais citer les noms. Il y a encore eu deux aujourd'hui. Je vais pas citer leur nom. Voilà. C'est quasiment comme ça tous les jours. C'est-à-dire que je n'ose pas ouvrir mon Messenger avant midi. Et à partir de midi, je trouve tous les jours 10 messages, au moins 5 messages d'encouragement. Les gens qui demandent comment participer, j'ai même déjà ouvert la base de données pour l'opération Cacao, où il y a déjà eu, où il y a déjà eu une des 13 habituées qui l'a ouverte en termes de dépôt. Il y a d'autres qui m'ont appelé pour faire des virements permanents. Tout ça est un signe de confiance. Tout ça a été un signe de confiance. Les gens ne feraient pas ça s'ils n'ont pas confiance en nous. Très bien. Et s'ils ne comprennent pas, s'ils n'adhèrent pas, s'ils ne sentent pas ce qu'on fait dans leur trip. Donc, on avait déjà vu ce direct-là, je réexpliquerai. Bon, les serveurs sont déjà là. Je vais d'abord augmenter les capacités. D'abord, la carte graphique d'un serveur qui est venu à la base avec une carte graphique que je veux augmenter ses performances parce que la carte graphique, bon, enfin, les informaticiens savent que quand tu as une carte graphique, ça soulage le processeur. Et si tu n'as pas de carte graphique, le processeur va aussi être occupé à gérer le graphisme. Ça reste quand même, le deuxième serveur était quand même un quadricore, 4 cœurs, qui est quand même quelque chose de puissant. Et il y a qu'un autre qui a 6 cœurs. Donc, c'est vraiment des bêtes. Des bêtes en termes de possibilités de processing. Bon, dès que je fais ça, j'ai pas pu le faire aujourd'hui, comme je te disais. Et dès que je fais ça, je commence alors les tests logiciels et puis je cherche d'abord les premières cas pour continuer. Ça, c'est pour mettre tout le monde à jour où nous en sommes un peu au niveau de la Web TV. Et puis après, voilà. Très bien. On revient sur la SNI. Donc, je voulais quand même vous lire quelques-unes des sociétés qui ont été créées par la SNI, la seule SNI. Vous allez me dire où est le bon sens de ça. Je vous ai dit Cellucam, Ekamp, Plaquage, Maïscam, on en avait parlé, Safacam, dont on n'a pas parlé, Sosucam, on avait fait un grand développement de Sosucam et qu'on a développé ça ici. On avait pris certaines qui étaient des sociétés phares, il y a Sodepa, Société de développement et d'exploitation de production animale, aux sociétés de plantation de Mbanga. C'est pour ça que je parlais du chemin de fer. Donc on exploitait déjà ça avant les indépendants. Il y a eu Alucam, qui était d'ailleurs relié au chemin de fer pour amener notre aluminium. Pour aller donner ça aux Français. Non, Et ceux qui comprennent. grand frère, il y a toujours une particularité que les gens négligent dans Lucam. La particularité dans Lucam, c'est que c'est le bauxite des Guinéens, Guinée-Conakry. Qu'on prend Guinée-Conakry, on vient fondre au Cameroun. Exactement. Est-ce que tu comprends un peu? Bah, bien sûr, Quand il bien sûr. arrive, il dit que mais la bourse n'en paye pas, il ne peut pas toucher les tentations. Il n'y a pas l'argent, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu la même chose qu'avant quand on créait la Sonara. Les Français vont s'opposer parce que les gens ne savent pas qu'avant, c'est le pétrole du Gabon qui était raffiné et c'est ces produits raffinés qu'on consommait au Cameroun. Et la France va s'opposer à la création de la Sonara parce qu'elle avait déjà elf au Gabon. C'est les petits détails que je donne. On en a parlé un peu quand on avait traité la Sonara. On avait aussi Ça, traité. c'est tous les éléments du chantage. Hein. Ben oui, en fait, c'est qu'ils avaient déjà. Oui. Éléments du chantage. Exactement. Et c'est comme ça alors qu'ils ont eux-mêmes plombé la Sonara. Parce qu'ils ne voulaient pas que la Sonara fonctionne. Parce que la Sonara aurait fait concurrence aux produits pétroliers venant du Gabon, alors qu'on était tous les produits pétroliers qui vont en France. Pour rappel, 80% du pétrole gabonais va directement en France. Et nous aussi, on a à peu près les mêmes proportions que la Sonara.
Et puis, c'est pas tout. Il y a eu d'autres dont on n'a pas parlé. Bata, Camel Cab, Cameroun Electric Cable, Choco Cam, Sicam, Ciment Cam, Milky Way, Jetram, l'Équatorial Électronique, Société d'application technique du Cameroun, la SCAN, la SDM, la société, je lis vite hein, parce que je n'ai pas envie de vous perdre le temps, la Socatral, Société Camerounaise de Transformation de l'Aluminium, la Socaver, Société Camerounaise de Verrerie, bon, voilà, très bien. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est un peu gros pour une seule société appelée SNI de gérer tous ses portefeuilles? Je suis allé vite là, et voilà. Donc, toutes ces sociétés, majoritairement, ont fait faillite. La majorité ont fait faillite. Je dis bien la majorité. Et qui a remboursé? C'est le contribuable. Claire. Et quand Abdel vous disait tout à l'heure que les gens se sont enrichis là, c'est qu'on a surfinancé d'abord. Ce n'est pas seulement qu'elles ont fait faillite, mais c'est qu'on a surfinancé ces sociétés. J'avais démontré dans un autre débat comment le surfinancement d'une société peut tuer une société. Et ces gens-là, les gens qui dirigeaient ces choses à l'époque, se mettaient l'argent dans les poches à ce moment. Se mettaient de l'argent dans les poches. Il faut savoir quand même que c'est quand même l'État qui a remboursé tout ça, c'est-à-dire les contribuables. Si vous voulez comprendre l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés pays pauvres, très endettés, allez chercher les documents de la SNI, vous aurez pitié de vous-même. J'ai dit pitié de vous-même. On en a analysé quelques-unes. Là, la Sonara, on avait analysé les premières estimations. On avait la Socapalme, nous avons analysé c'est-à-dire que le pire des cas, c'était le truc de papeterie, là, comment on l'appelle encore? J'oublie le nom. Ah, celle qui avait brûlé 3 mois après l'ouverture, là. Celui comme J'ai un petit. Pardon? celui comme C'est lui, comme voilà. J'ai un petit trou de mémoire. Je commence à vieillir. Non, tu n'es pas encore vieux, il y a encore du chemin. Voilà. Donc, il y avait la Cellucam qui. Vous vous rendez compte, personne ne s'est demandé comment une société livrée neuve brûle, elle est encore sous garantie et on ne remplace pas. Celui qui a géré des contrats en haut niveau sait que quand vous livrez une société clé en main, vous livrez la garantie au moins pendant un an, total à 100%. Même quand vous achetez votre voiture, 3 mois après votre voiture fait un accident, le constructeur vous remet une autre neuve. Vous prenez une assurance, vous remet une neuve. Expliquez-moi comment 3 mois après, l'unité la plus importante de la cellule en brûle et personne ne remplace. Ouais. Qui a signé ce contrat? Comment ils ont fait pour signer un contrat comme ça? C'est pour Et le dire. il faut leur dire combien ça a coûté. 120 000 euros. 120 milliards de francs. 3 mois ça tourne. Mais le problème, c'est qu'il faut rembourser cette dette. Hein? Ouais, mais bien sûr. Et personne n'avait pensé que, je ne sais pas, même si tu es un. J'ai failli dire un pygmée, mais bon, là, j'ai une amie camerounaise aujourd'hui, j'ai une fan qui m'a écrit aujourd'hui, elle est de maman Baka, donc je ne peux pas faire des. Elle m'a dit qu'elle nous suit depuis, elle est très très contente, elle va adhérer au groupe. C'était le deuxième coup de téléphone. Donc, comme sa maman est Baka de l'Est, donc je vais me moquer maintenant des boules. Coup prochain. Même si tu es. Non, je ne vais pas me moquer des boules. Non, il y a Jeanne Ganan qui se moque des boules, je ne vais pas en rajouter. Bon, ça c'est l'humour. C'est-à-dire que même si tu es con comme un villageois de Djon, tu ne peux pas signer un contrat de livraison d'une société clé en main neuve sans avoir des clauses de garantie. C'est inimaginable. Donc, on va Peut-être passer cette qu'il a étape. peut-être mangé les. Non, on a peut-être signé dans le contrat que la garantie a été versée en liquide. Que parfois, quand tu vois ces choses, tu dis, mais qui a fait? C'est-à-dire que ces gens qui ont signé ce genre de contrat sont des criminels. On doit les rechercher. On doit les rechercher. Moi, j'ai aimé Madame Dang, hein, quand elle est ressortie là pour les élections présidentielles. J'ai dit,
Tu étais DG de la SNI. Elle me dit oui. Tu veux qu'on en parle là? Tu as vu tout ça, tu n'en as pas parlé. Pourquoi tu viens parler maintenant? Plutôt Tu que. étais DG de la SNI, tu voyais. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, globalement, les gens se sont massivement enrichis là, c'est-à-dire qu'en prenant plus d'argent que les sociétés ne valaient, d'une part, et en faisant des contrats bidons. Évidemment, quand tu as pris l'argent, tu ne peux plus signer un contrat sérieux. Tu ne peux plus signer On un te contrat, dit, c'est signe fini, là, tu signes, puisque tu as l'argent dans la poche. c'est fini, c'est fini, tu as déjà la C'est pas. preuve. Voilà. Et je crois qu'il faut rouvrir ces documents pour savoir comment les gens ont mal géré. Et il y a eu les deux. Il y a eu les incompétences manifestes parce que les gens ne comprenaient pas. Parce que c'est pas, c'est pas normal. La première fois qu'on parle de ça, c'est quand nous allons faire un direct dessus. Tu te souviens de celui qui est sorti et qui nous a dit que la Sonora a brûlé par. Là, tu as fait c'est un bel exercice. Il a disparu. Ils étaient hautement qualifiés pour signer les contrats, mais ils estimaient qu'on n'était pas qualifiés pour faire la maintenance. C'est quand même bizarre. C'est quand tu dis, grand frère, tu vois, ça c'est la sorcellerie. Hein. Ils sont qualifiés pour être président de la République. Ils sont qualifiés pour être DG. Ils sont qualifiés pour être directeur technique. Mais ils ne sont pas qualifiés. Quand nous, on vient pour faire la maintenance, ils disent que non, 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 vous ne pouvez pas. Vous là, vous ne vraiment de Dieu, il faut la maintenir. Ça. Bon, sur ce, il est quand même 2-3 heures, même si c'est samedi. On va vous laisser dormir parce qu'il y aura certainement des directs demain. Moi-même, les yeux qui se ferment, j'ai du retard sur le travail parce que j'ai mes propres développements personnels qui sont aussi en cours. Et je dois aussi avancer dessus. Donc, je suis, comme on dit, alors mort En tout cas, tu fais ce que tu veux. Fais chercher les équilibres. Tu Tu sais ce que ça m'a coûté de chercher les équilibres une fois ici. C'est-à-dire que tu protèges quelqu'un à droite, tu mets ton dos pour protéger quelqu'un qui est derrière toi et le coup de pied vient te prendre. Boum! En tout cas, je vous remercie d'être parmi nous et j'ai remarqué encore que beaucoup de gens ont partagé. Et quand je dis d'inviter vos amis à aimer la page, ce n'est pas forcément partager. C'est vraiment un clic sur inviter vos amis à aimer la page. Parce que beaucoup de gens ont demandé comment. Ce n'est pas le partage de notre page, mais c'est un bouton qui demande d'inviter vos amis à aimer notre page. Bon, beaucoup l'ont fait. On a fait un bond à combien de hier? On était à 2000 et là, je crois qu'on est en 2500 abonnés. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Voilà, inviter les amis sur Messenger, inviter les amis sur WhatsApp. Tu cliques là où tu veux inviter tes amis. Donc, Sur WhatsApp, ça prend seulement 5 personnes. Par contre, sur Messenger, tu peux inviter tout le monde de ton répertoire Facebook. voilà. Donc, mais quand sur WhatsApp, quand il prend 5 personnes, quand tu te reconnectes une autre fois, il te permet encore d'en prendre 5. Donc, il y a des différences comme ça. Mais c'est très, très bien parce que nous sommes passés, nous sommes déjà à 2517 abonnés. Donc, on a quand même gagné 500 abonnés en une journée. Vous voyez que vous faites du bon travail. Le travail marche. Le travail marche. Bon, vraiment, je suis très très content du groupe, surtout les nouveaux venus, parce que et ils adhèrent sur le discours et la majorité adhère sur le cœur. Parce que quand ils me parlent, ils parlent avec le cœur. Et c'est vraiment très très intéressant parce que les dernières personnes avec qui j'ai parlé adhèrent vraiment sur une véritable sensibilité. Par rapport à notre discours, par rapport à ce qu'on fait, et par rapport au chemin qu'on mène. Et enfin, je parle des derniers arrivants, hein. Je n'ai pas dit que les premiers arrivants n'adhèrent pas avec le cœur, hein, parce qu'on a quand même eu on a des grands adhérents dont je ne veux même pas citer les noms, parce que tellement ils sont avec nous. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas faire de jaloux, parce qu'on a vraiment ils se reconnaissent, hein. Ils se reconnaissent les vrais adhérents, les gens qui nous suivent depuis. Voilà, ils sont là ils sont là depuis longtemps. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens arrivent, les gens affluent, et chaque fois, les gens viennent en me disant, mais comment on fait pour participer financièrement? C'est moi qui retiens les gens. Je dis, attendez, attendez, attendez. Les gens me disent, non, c'est vraiment très, très,
Très, très, très, très, très, très, très. Je calme un peu maintenant parce qu'il faut que je gère, que je puisse tout gérer ça. Donc, j'ai dit aux gens, attendez quand même un tout petit peu. Parce qu'il faut que je puisse, quand il y a des adhésions, que je construis une nouvelle base de données, que je vérifie et que moi, je fonctionne toujours à ce qu'on appelle, je certifie toujours les arrivées. Enfin, je leur envoie toujours un petit message pour leur dire, vos envois sont effectivement là, des choses comme ça. Certains appellent de temps en temps pour voir si leurs informations sont correctes sur la base de données, donc j'envoie ça. J'envoie sur un message les gens qui sont des développeurs, qui sont capables de la deuxième fois, hein, parce qu'on m'a dit qu'il y a des talents là entre nous, et ça, ça j'en suis conscient. Je veux quand même dire à ceux qui sont, qui peuvent développer une interface qui permet de gérer des données sur Excel, sans ouvrir Excel. S'il y en a qui sont capables, moi je peux le faire, mais ça va prendre du temps de développer. Hein. Ça se fait par ce qu'on appelle en produit Microsoft les objets COM. C'est-à-dire que tu ouvres un objet COM, tu manipules les données d'Excel et tu refermes sans ouvrir Excel lui-même. Ça permet d'éviter des erreurs. Si quelqu'un est capable de le faire, qu'il se signale et que ça nous fera plaisir. Sinon, je le ferai. Je migrerai tout ça dans une base de données beaucoup plus robuste. Quand on pourra acheter une base de données de type Microsoft Server, tout va être migré dessus. Donc, on va petit à petit, hein. On ne peut pas tout faire le même jour. Je vous remercie d'être là et merci encore pour vraiment la confiance que vous nous faites. Ça fait énormément plaisir de vous avoir, de former cette nouvelle famille. Parce que beaucoup de gens, j'ai oublié de te le dire, Abdel, beaucoup de gens sont vraiment là dans une logique familiale. Et deux personnes qui m'ont appelé aujourd'hui, dont je tais le nom parce qu'elles ne m'ont pas dit de les citer, m'ont dit vraiment, je retrouve un sens à la vie. C'est d'ailleurs ces personnes-là qui me donnent en tout cas moi la force de continuer. Tu me connais, je suis assez, assez. On me titille beaucoup. Je suis assez rapide. Faut pas trop me titiller, parce que dès qu'on me titille un peu, bon, je claque la porte, je m'en vais. Bon, voilà. On ne se refait pas, c'est pas facile de se refaire, mais bon. Je fais les plans. C'est-à-dire que OK. Encore une fois, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. À demain. OK. Tu peux me déconnecter si tu... OK. Si tu... OK. Vraiment, partagez le direct. Je vous remercie d'être venu une fois de plus. Merci. Ouais. Ah, le gars, ma fiancée, avait son riz de tous les jours, si. Ouais. Pas demander au pasteur très simple.
Bonsoir et on se prend demain, 10h. Bonne soirée, bonne nuit.